Montre-toi si tu n'es pas un lâche. Montre-toi. Humain ou bête ou esprit, montre-toi. Qui es-tu, petite fille? Qui es-tu? Et pourquoi as-tu décidé d'interrompre mon mouvement? Veux-tu que la ruine te tombe dessus? Je suis à Maman Miri, la petite fille de grand-mère Nemeri de Monja, la grande fille de Wamiri Okike, et la fille d'Engero Miri, l'eau la plus pure et la plus claire. Je m'en fous. Je me fous de qui t'a envoyé. Je m'en fous. Maintenant, pars. Pars. Dis à quiconque qui t'a envoyé ici que ici, ce n'est pas un endroit où les enfants peuvent jouer. Ce n'est pas encore le clair de lune. Pour la danse du clair de lune. Maintenant, pars. 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 Retourne d'où tu viens, je ne sais même pas. Retourne à Igu. Il a une lourde tâche que j'ai entendue de lui. Tes jours sont comptés. Détourne-toi des actions malignes, sinon elles vont te consumer. Car seul un homme sage prend en considération un avertissement. Mais les insensés s'en foutent. Sache que la destruction est devant toi. Sois averti, Hugo. Sois averti. Va-t'en tout de suite, va-t'en! Que c'était drôle. Obia lubonya biabuneye. Azubuni memiliko bimilige metuya. Odumaje odumana. Agu. O clique que na boca você. Abi ali é no. O gada gidi. Na mão. Lié. Moi. O do moje do mama. Que na água me fingem. Ewo, ewo. Odumeje odumana. Gaga nogu. Odumeje odumana. Gaga nogu. Agunonwe. Odumeje odumana. Pekata ne? Nenu dona nena jage metu ya Azubu ni memili kogebi Aru ya manko mili Ngengeli Ngengedebe Amanko mo Agu. Pourquoi tu me regardes droit aux yeux? Je regarde tes yeux. Qu'en est-il de mes yeux? C'est ta beauté que je suis en train de regarder. À chaque fois que je regarde tes yeux, je ne vois rien d'autre que une âme de pureté et une grande beauté.
Tu n'es peut-être pas aussi belle que les autres jeunes filles de ce village. Mais il y a quelque chose de spécial en toi. Il y a quelque chose de spécial en toi qui attire tous les hommes de ce village. Qui sont prêts à tout faire, juste pour t'avoir. Aroma, tu es vraiment très glorieuse. Qu'elles sont magnifiques et tendres, tes paroles. J'accomplirai les délices de ton amour. Je vais t'aimer et te chérir tout le jour de ma vie. Je t'aime. Mon amour pour toi est sans fin. Je t'aime tellement beaucoup. Oh. Arrête. Aroma, j'aurais aimé avoir toute la journée. Je souhaite juste que la nuit tombe alors que nous sommes ici pour que nous reposions nos têtes ici. Et nous allons passer toute la nuit à regarder les étoiles. J'ai hâte que tu viennes me prendre traditionnellement au mariage. J'en ai tellement hâte. J'ai hâte d'être couverte par la chaleur d'un seul homme qui a conquis mon cœur. Très très bientôt. À quand? Très bientôt, Aroma. Bientôt et dans l'infini. Je sais, mais très bientôt. Il faut que je parte maintenant. On va se voir demain. Ok. Bonne route, mon amour. Au revoir. Bye. Salut. Oui, salut. Mon nom est Sitoa. Moi, c'est Afam. Tu m'as fait attendre. Je te fais attendre? Qu'est-ce que tu veux dire? T'inquiète. J'avais aussi raison de beaucoup attendre. Tout en sachant que ça pouvait bien coûter cette partie. Je vois. Et alors, peux-tu m'expliquer l'ex-pourquoi de tout ça? C'était juste pour une amitié. Je t'apprécie. J'apprécie tout ce qui se trouve en toi. Tu es le rêve de toutes les jeunes filles de ce royaume. Arrête ça. Arrête. Va te trouver un autre homme.
Deo, Deo, hein, Woma. Hey, jolie demoiselle de Unchi. Toi. Moi? Oui, toi. Comment est-ce qu'on t'appelle? Aroma. Hey, Aroma. Quel joli nom. Très joli nom. Magnifique nom. J'aime bien. Ezibafa. Ezibafa. Un très joli nom. Aroma. Ah, ça te va très bien. Ça te Merci, va vraiment Naï. Très bien. Qui est ton père? Le dauphin Mazi Odogo. Mazi Odogo. Hey! Ah! Oh, c'était un bel homme. C'était un bel homme. Pas étonnant qu'il ait une grande ressemblance. Hein? Ah ah, hein? Ah, ton père, c'était un très bon homme. Mais, ne me dis pas que tu es la fille de Machi. Oui, Naï. Eh, wow! Nanou quoi? Nanou quoi? Hein? Donc, Machi a une aussi grande fille comme toi? Hein? Hé hé hé! Machi, hé hé hé! Viens me voir, plus tard dans la journée, dans ma hutte. Hmm? J'ai un message pour ta mère. Oh. Hey. Mes belles demoiselles, hein? Et même toi aussi, tu es vraiment très belle. Aroma. Hein? Hey. Hein? Hey, la fille de ma... Mon frère, en tant que ton meilleur ami, je m'arroge le droit de te demander ceci. Me demander quoi? Et dis-moi la vérité. Quelles sont tes intentions envers Rosa Roma? Parce qu'elle t'aime dans le plus profond de son cœur. Mais oui, je souhaite même faire d'elle ma femme. Je souhaite même aller voir ses parents dans les prochains jours qui arrivent. Oui, je souhaite le faire vraiment. C'est de toi que j'apprends ça. Tu sais, la manière dont les gens parlent de ta relation avec Aroma, il y a de quoi espérer de quelque chose de négatif, oh. Ah oui. Mais avec ce que tu as dit maintenant, tu vas leur prouver le contraire. Ah oui. Je vais prouver le contraire. Plutôt, sais-tu que Aroma est un don parfait qui vient tout droit de Dieu. Je suis vraiment convaincu qu'elle était spécialement faite pour moi. Je n'ai jamais rêvé de qui sera ma femme un jour. Pour une fois, je l'ai fait. J'aime vraiment cette fille. Tu es terrible, les trois. Tu es la voiture, qu'est-ce moi? Dans ce cas, je suis forcément derrière toi. Hey, mon ami. Coco. Mon ami. Ah. Toi, tu es vraiment mon ami. Continue. Tu vas contribuer. Oui, tu vas contribuer financièrement et autrement. Enlève ça. Naé. Oh. Aroma. Oui, je savais. Tu sais, tu ressembles beaucoup à l'étoile du matin. Merci, Naé. Est-ce que ta mère est à la maison actuellement? Non, elle n'est pas encore rentrée du marché. Oh, ça c'est bien, ça c'est bien. Bien, viens, allons à l'intérieur. À l'intérieur? Oh oui, ma chère fille. Allons à l'intérieur. Oh non, tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à t'inquiéter. Je ne te ferai rien du tout. Allez, viens à l'intérieur. Viens avec moi. Que Dieu m'en épargne. Si je l'avais entendu de gens, je n'aurais pas cru. Tu veux te forcer à moi. Hé, hey, tu es malin. Ne me dis pas de me calmer.
Je ne veux pas de ton argent. Tu es malin. Tu fais à croire que tu es mon épargne. Sans effet. Elle m'a regardé. Elle m'a bien regardé au visage. Même après m'avoir privé de son corps. Et m'a traité de malin. Elle m'a bien regardé et m'a traité de malin. Aruma, tu vas bien? N'est-ce pas ces hantés d'hommes qui se nomment lui-même Ego? Qu'a-t-il fait? Exactement ce que tu as dit. Il veut coucher avec moi de force. Peux-tu imaginer? Il veut s'efforcer à mon paradis. Le dieu de notre terre. Je le savais. Je savais que cet homme planifiait quelque chose de mauvais. Malheureusement pour lui, il a échoué. Vilain qu'il est. Il est vraiment malin. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Quoi? Afam, je ne serai pas dotée de mes pensées. J'ai essayé, mais je n'arrive pas. Tout de moi te désire tellement. Et j'ai toujours envie de toi tous les jours. S'il te plaît, Afam. S'il te plaît, sois mon amour. J'ai déjà quelqu'un d'autre. Et je n'ai pas l'intention d'avoir une autre. Afam, pourquoi es-tu très difficile? Non, je ne suis pas difficile. Mais pourquoi préfères-tu que je puisse te mentir? Afam, si ta vérité va briser mon cœur, s'il te plaît, moi j'accepte. S'il te plaît, Afam, dis-moi combien ça va coûter pour conquérir ton cœur. Absolument rien. Absolument rien du tout. Je suis désolé, je ne peux pas t'aider. Afam. Itoa. Oh, Itoa. La fille de chef Anelé, le tout récent chef et le plus riche du royaume d'Amanda, la plus belle fille, le rêve de tous les hommes. tu es très belle. Merci. Alors, tu connais même mon père? Ah oui, bien sûr. Qui ne connaît pas ton papa dans le royaume d'Amandi, à comme le plus fort que ça dans notre village. Ok. À qui dois-je ta présence? Prends cet argent. C'est pourquoi? Pourquoi tu me donnes l'argent? Parle à ton ami. Convainc-le pour mon bien et tu en auras plus. J'aime ton ami Afam. Je l'aime énormément. Quelqu'un m'a dit que vous êtes de bons amis. Oui. C'est mon meilleur ami. À tous les endroits où tu le vois, tu me verras aussi. Attends un peu. Tu me donnes tout cet argent pour convaincre Alpha d'être ton amoureux? Oui. Considère que c'est déjà fait.
À partir de maintenant, Alpha est ton amoureux. Tout ce que tu veux faire avec lui, tu es libre de le faire. Tu sais quoi? Je dois rapidement commencer le travail car je n'ai pas suffisamment de temps. C'est bon, je vais attendre. Bien! À femme! À femme! Afam. Mais c'est quoi comme ça? Pourquoi es-tu aussi agité? Tu es trop discret, hein? Au lieu de parler à ton ami, ce n'est pas bien, oh. Et qu'est-ce que je t'ai caché, moi? Arrête de répliquer comme si tu ne connais pas de quoi je parle. Qu'est-ce que tu dis? Tu as refusé de me dire que toi, la fille d'Annelé, est en train de chercher que vous sortez ensemble et tu as refusé. Tout simplement parce que cela ne veut rien dire pour moi. Mais oui, elle a demandé de sortir avec moi et je lui ai dit non. Je ne l'aime pas. Et qu'est-ce que je devais dire? Regarde ce que tu racontes! Il fallait que je lui dise quoi selon toi. Il fallait que je la fasse. Elle t'aime! Moi, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, mais tu dis quoi là? Est-ce que tu es fou, toi? Tu vois? Ça, ce n'est pas une aventure. Ça, c'est à propos de ton avenir. C'est à propos de ta vie. Tu connais combien d'hommes qui cherchent à coucher avec elle, qui meurent envie de vivre avec elle. Et toi, tu l'as à des bouts de doigts et tu t'aventuries. Regarde, regarde l'argent qu'elle m'a donné. Regarde l'argent qu'elle m'a donné juste parce qu'elle a besoin que je te parle. Regarde l'argent qu'elle m'a donné et toi, tu t'aventuries. Mais tout ça parce que tu es un inconscient. Tu n'arrives pas à voir les choses telles qu'elles doivent être. Tu n'es pas sérieux. Mais c'est quoi comme ça? Ne me parle plus comme ça. N'ose plus me parler comme ça. Il s'agit seulement de l'argent, c'est ça? Hein? Écoute, Udo, écoute-moi, laisse-moi bien te dire. Il n'y a rien d'autre qui puisse un jour me bouger à part l'amour de Aroma. Il n'y a rien qui me rend content comme quand je vois son sourire sur son visage chaque bon matin qui passe. Il n'y a ni toi, ni ton argent, ni rien d'autre dans ce monde qui va changer cela. Hey! Tu es fou! C'est toi le fou. C'est la folie qui t'apprend. La folie. C'est toi le fou ici. Udo, laisse-moi te demander. N'es-tu pas un homme toi-même? N'es-tu pas un homme toi-même? N'es-tu pas toi-même un homme? Tu n'es pas assez un homme toi? D'abord l'argent. Udo, j'ai bien dit. Si elle cherche un homme, toi tu es un homme. Va l'épouser. L'argent qui est important. Aroma. Tu es la pire de toutes mes distractions. Tu es vraiment tout ce que j'ai toujours cherché. Je ne me sens vouloir de rien d'autre que ta ravissante beauté, ma chérie. Rien ne va jamais diminuer mon amour pour toi. Tes mots d'amour me rendent forte et me rendent inébranlable. Dans tes bras, j'ai trouvé la paix. Et mon amour pour toi est infini. Je t'aime. Je t'aime autant. Salutations, Mazendeo. Ndeo, mon cher. Je voulais te dire un truc. Il m'avait invité à la maison chez lui. Il a voulu coucher avec moi. Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Je ne voulais pas que cela te dérange. Je ne voulais pas que tu te sentes mal. Je n'ai même pas encore parlé de ça à ma mère. Je suis désolée. Écoute-moi, Aroma. Il faut que tu sois vraiment prudente. Igo est maléfique. Il est très très mauvais. Je t'ai bien compris. Je suis désolée. Non, c'est bon. Tout ira bien. Ewo chai na kagitaino. Iyaru abatala no bodo. Ewo chai na kagitaino.
kage kai no iye ne me iye ne me o iyaro abatala no bodo ise no menala mebo menelu marakwa mara iye mechiri emocha me onwegoye mara o ihe anyị bụ n'obi tọsọ chukwu mara o naanị chi anyị mara e mgbe chikachi ga-abịa ihe mechiri ga-eme o mgbe chikachi ga-abịa ihe mechiri ga-eme o. Désolé de t'avoir fait attendre. Il n'y a pas de problème. C'est bon, sérieusement. J'allais dire, il y a un espoir? Non, non, non. Hein? Hein? Mmh. Oui, oui, mmh. Oui. Mmh. Oui, regarde-toi. Tu devais voir la manière dont je l'ai angoissé, la manière dont je l'ai tourné le cerveau. Dis-moi plus, oui. Dis-moi plus. J'ai tourmenté son cerveau. Lui dire combien tu l'aimes, là vraiment tu vas perdre. Oui, oui, tu vas perdre. Oui, oui, il risque de te rejeter. En tout cas, je lui ai parlé des choses, je lui ai dit des choses. En tout cas, il a souri. Et il m'a dit qu'il va y penser. Il va encore réfléchir. Et tu vois, ne te dérange pas, ne te dérange même pas. Je connais mon ami, je le connais très bien. Tu vois, les je vais y penser qu'il a dit. C'est déjà un oui, oui, je le connais très bien. Ne t'en fais pas. Oui, il a accepté. Donne-lui juste le temps de digérer cela. C'est tout ce dont il a besoin. Je t'ai dit. Mais tu parais comme si tu es en train d'aller quelque part pour faire quelque chose. Il faut donc, partir. Je suis très content dans ces moments. Je suis très contente. Oui, je vois. Je peux le voir sur ton visage. Tu n'as pas besoin de me le dire. Ça se lit facilement sur ton visage. Non, attends. Maintenant, s'il te plaît, tu peux partir. Non, c'est un Prends. J'ai beaucoup apprécié ton effort. Je suis vraiment reconnaissante. Merci. Prends. Encore de l'argent. Oui. T'inquiète, tu en auras plus. Il y en a. Hé hey. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est, oh? Hé! Hey! Encore! Hé! Hey! Merci! De rien! Je te remercie! Et comment est-ce que je vais te les restituer, vraiment? Hé! Hey! Merci beaucoup! Ah, vraiment! Merci! C'est moi qui te remercie, merci! Alors, Udo, je suis parti, mon père m'avait envoyé quelque part. Ok! Merci beaucoup. Merci. Hey Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Hey, ça c'est encore un montant plus élevé. Hey Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que je ferai de cet argent encore? Je vais m'en faire de me soulager. Hey Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Hey Seigneur, affame. Afam, il faut écouter, oh. Afam, les oreilles sont faites pour écouter, oh. Afam, regarde l'argent. Afam. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Afam. Afam, je viens. Udo, Udoka, Udoka, assez, c'est assez. Udoka, assez, c'est assez. Hein? Mais c'est quoi comme ça? C'est quoi avec cette affaire? C'est quoi avec toi? Vas-tu me demander de quitter Roma pour être avec une femme dont je ne sais absolument rien du tout? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? N'y pense même pas. Et quel est ton intérêt dans cette affaire? Quel est ton intérêt? Mon intérêt, c'est de voir mon frère vivre une vie heureuse et prospère. N'est-ce pas normal pour un ami? Mais non, pas du tout. Udoka, c'est une mauvaise idée. Hein? Je suis comblé et heureux avec Aroma. Je suis heureux et comblé avec Aroma. Udoka, il faut que tu arrêtes cette affaire que tu es en train de faire avec Utoa. Il faut arrêter. Arrête avec ça. D'accord, d'accord. C'est bien. Accepte-la si tu veux. Et ne l'accepte pas si tu ne veux pas. Je n'ai rien à faire dans ça. Oh, tu sais que tu n'en as rien à faire. Mais tu ne cesses pas de te déranger pour ça, hein? Si, j'en ai. Tu te déranges pour rien du tout. Laisse-moi tranquille. Oh. Laisse-moi tranquille. J'en ai. Laisse-moi tranquille. J'en ai.
Qu'est-ce qui se passe? Hey! Je veux plus te déranger. J'ai un intérêt. J'avais pris son argent, j'ai un intérêt. Ebele, mon ami. Allô, ma. Ebele, tu prépares. Tu n'iras pas à la rivière. Ma mère m'a demandé de faire la cuisine. Elle est allée au marché et je sais qu'elle sera bientôt de retour. Oh! Si je savais, je n'allais pas me donner le stress de venir jusqu'ici. Mon ami, donc venir me rendre visite est devenu stressant pour toi. Ebele, tu ne comprendras pas. J'ai beaucoup à faire. Je ne sais pas comment je me suis passée de mes tâches pour trouver le temps de venir ici. Ok, pars aujourd'hui. La prochaine fois, j'irai avec toi. Ah, pas de problème. Ok, à bye plus. Bye. Bye. Yeah.
que c'est bon pour aujourd'hui. Faut que j'aille me reposer. Hey! Ouzo! Infâme. Salut, infâme. Donc, elle se passe quoi ici, dis-moi. Je l'ai amené te voir. Pourquoi? Je dis pourquoi? Tu sais. En tout cas, maman, tu m'avais dit qu'il voulait bien me voir. Non. Tu vois, oui. Tu vois, je lui avais parlé, je n'ai pas de problème. Mais vois seulement. Je lui avais parlé, mais je pensais aussi que ta présence pourrait changer son avis.
Mais je sais pas pourquoi est-ce qu'il est toujours têtu comme ça, hein? Mais tu es pourquoi tu es têtu comme ça? Est-ce que cette situation ne t'arrange pas? Pourquoi tu es comme ça? Tu m'as rendu folle! Tu devrais me dire la vérité. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit dans ça? Mais pourquoi tu veux pas quitter ce garçon? Est-ce qu'il est le seul dans son village? Mais laisse-le aussi tranquille, non? Même si j'ai failli à ma mission, il n'allait pas t'accepter, oh? Pourquoi tout ça? Afam, tu m'as tué! Tu n'es pas gentil! Attends, tu viendras me trouver ici. Tu viendras trouver mon cadavre. Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû être plus intelligent. Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Aroma. Femme. Aroma. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qu'il y a partout sur ton corps comme ça? Je viens d'être violée par Ozo, les fils de Mazo Kaka, à la rivière. On t'a fait quoi? J'étais allée puiser de l'eau. Aroma. 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 S'il te plaît, lève-toi. S'il te plaît, ne me fais pas ça. S'il te plaît. Non! 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 Aidez-moi! 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 Non! Aroma! 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 Ah! Ah! Genoux, à genoux. Mets-le par terre. Oh méchant!
Bonjour, Ogou, le grand œil des dieux. Bonjour. Fils de cette terre. Dites-moi, qu'a-t-il fait? La justice n'a jamais été éradiquée sous le soleil de cette terre. Mais lui, il l'a fait. Exact. En prenant la vie de quelqu'un. Exact. Il a violé ma femme. Il a brutalement violé ma femme. Sur le bord de la rivière Egéné. Quelle est l'abomination qui soit plus grande que ce que lui vient de faire? Il cherchait sûrement une revanche. La plupart d'êtres humains creusent deux tombes. Une pour lui-même. Et l'autre pour celui chez qui il va chercher la revanche. La revanche. La revanche est des dieux. Et non des hommes. Tu as décrédibilisé notre terre. Allons jusqu'à sous-estimer la puissance des dieux. Tes actions peuvent emmener la colère des dieux sur notre terre. Et pour éviter cette action de prendre la vie de ta condisciple, voici mon jugement. Emmenez-le. Et enterrez-le vivant. Toi, qu'est-ce que tu fabriques dans ma maison? Quand un vieux se détourne du bien pour le mal, un enfant brave suffirait pour le recadrer. Comment oses-tu dire de telles paraboles devant moi? Tu es resté dans la malignité depuis beaucoup de temps. Tu refuses de te détourner de ta voie. Tu as infligé les douleurs et les chagrins dans des familles. Tu as détruit des vies innocentes à cause de ton ego. Tu as menti et dit de faux jugements au nom de nos dieux. Mauvaise odeur est juste sous le nez du gringalet. Pense-y un peu, petite fille. Tu n'as même pas peur de moi. Tu n'as pas peur du tout. Tu n'as pas peur de ce que le grand Igo peut faire, hein? Donc tu n'as pas peur. Peu importe la petite taille du serpent. N'ai jamais sous-estimé son venin. Je n'ai pas peur de toi, puisque je suis ta supérieure. Oh, vraiment? Hein? Ok. Je vais te montrer. Juste un tout petit peu, ok? Écoute-moi bien. Le petit peu que le feu peut faire aux longues oreilles du lapin. Hein? Je vais te montrer, juste un petit peu. Hein? Ce n'est pas possible. Yeah.
Aroma. Aroma. Tiens bon. Nous sommes arrivés. Ingéné. 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 La mère de toutes les mères. Viens m'aider, s'il te plaît. Mère, je t'appelle. Je t'appelle, s'il te plaît, viens. Viens, s'il te plaît. Mère, entends mon cri. Viens la purifier. Mère, s'il te plaît, viens lui rendre encore sa force. S'il te plaît, mère, viens, s'il te plaît. Viens, s'il te plaît. On revient ici. Je suis là pour prendre tout l'argent que tu avais pris auprès de moi. Donne-le-moi rapidement. Donne-moi mon argent. Edouard, l'argent que j'ai pris de chez toi est déjà utilisé. Ne veux-tu plus ta femme parce que c'est la femme avec qui je vis? D'ailleurs, je n'ai plus besoin de quelque chose. Tout ce que j'ai besoin maintenant, c'est mon argent. Donne-le-moi maintenant. Allez, vas-y. Donne-moi mon argent. Calme-toi. C'est simple, nous allons le résoudre. Toi et qui? Vous allez faire quoi? Hein? Pensez que je suis ici pour des blagues? Donne-moi mon argent. Je ne veux rien résoudre avec toi. Udoka, si tu ne me donnes pas mon argent maintenant, je veux crier. Et si je le fais, tu connais la conséquence. Tu sauras. Hey, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec ce fou? Hey, tu veux fuir encore, hein? Hein? Tu veux fuir encore avec mon argent? Je ne vais nulle part. Donne mon argent. C'est juste ma literie que j'ai mise sur mon dos pour partir avec parce que je pense que je vais mourir aujourd'hui. Donne mon argent maintenant. Je meurs bientôt. Permets-moi d'abord, s'il te plaît. Hein. Écoute, c'est ton argent. Viens prendre ton argent. Tu penses que je l'ai dépensé? Alors donne-le-moi. Pourquoi? Donne-moi mon argent. Ton argent est là? Udoka. Je suis ce genre d'homme, quand je dis quelque chose, je le réalise. Donne-moi mon argent. Argent là, j'avais décidé de le garder. Laisse-moi te le donner. Donne-moi mon c'est argent, c'est à l'intérieur Udoka. De ce sac. Tout oui, je mon t'ai argent. Dit, si seulement tu enlèves tes mains ici, je te donne ton argent. Je veux juste ouvrir mon sac et puis je te donne ton argent. Qu'est-ce que tu penses? Udoka, reviens. Udoka.
maman. Comment vas-tu? Je veux bien. Tu es guérie. On t'a déjà purifié. Igene, merci beaucoup. Igene, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Juste à cause de 5 coris. 5 coris. J'ai vendu mon ami. Oh non. Oh non. Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Je ne savais pas. Qui es-tu? Je suis l'ombre que tu ne sauras poursuivre. Comment te permets-tu d'être trompé par ces malins hommes? Tu as trahi ton ami à cause d'argent. Tu as brisé le lien d'amitié. Ainsi, tu as appelé le jugement de Dieu sur toi. Tu ne mérites pas de voir un nouveau jour. Je suis désolée. Pardon. J'ai été trompée. Désolée. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.